Mesdames, messieurs, distingués invités, nous vous prions de bien vouloir vous lever et écouter la Concorde, l'hymne national du Gabon. Unis dans la Concorde et la fraternité. Et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte, monte encore. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue au Gabon. Le Gabon, terre des opportunités. J'aimerais qu'on applaudisse encore très fort pour Chadrika, qui vient de nous chanter l'hymne national du Gabon, la Concorde. Silence, Monsieur le Président de la République, le Président de la Confédération africaine, distingués invités, mesdames, messieurs, vous êtes actuellement les bienvenus dans cette somptueuse salle du Stade de l'Amitié dans Conquête. Ici à Libreville, à l'occasion du tirage au sort qui va constituer les quatre groupes qui prendront part à la phase finale de la CAN Total Gabon 2017. Mesdames, Messieurs, c'est un plateau de télévision, oui, c'en est un, et je ne suis pas tout seul. Avec moi, une grande dame de la télévision, on applaudit très fort pour Daniela Mengei. Bonsoir, Daniela. Samba. Samba, Samba. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Confédération africaine, Mesdames et Messieurs, vous qui êtes ici présents et vous qui nous regardez chez vous, bonsoir. En effet, le Gabon, tu l'as dit Régis, va abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Parce que le Gabon est une terre d'opportunités. Laissez-moi vous dire l'une des premières opportunités du Gabon. Nous sommes au Gabon, sur l'un des derniers paradis sur terre. Estamos no Gabon, último paraíso de nossa terra. Le Gabon est au cœur de la forêt du bassin du Congo. La forêt du Gabon couvre 85% du territoire national, está cobrando 95% richesse écologique du territoire du pays. Mesdames et messieurs, souvenez-vous, le Gabon a été choisi pour cadre pour le tournage du dernier film de Tarzan. Le Gabon foi escolhido ultimamente como o último filme de Tarzan. Ce Gabon d'opportunité, deixa vocês apreciar o Gabon da oportunidade, o Gabon verde. Merci.
pour l'humanité, la protection de l'environnement est un devoir universel. L'homme et la nature s'aiment de façon naturelle. La nature est belle, elle nous aime, elle nous protège, c'est notre mère nourricière. Mais aujourd'hui, l'homme trompe la nature avec la pollution. Une dame habillée en robe de poubelle au parfum nauséabond qui rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et dégrade la planète. La déforestation est notre mépris. Chérie nature est fâchée, la biodiversité crie. Énergie renouvelable et développement durable. Par manque de tendresse, la couche d'ozone est percée. L'agriculture locale sera affectée. Par jalousie, la glace fond au niveau des pôles. Les produits chimiques nocifs sont répandus à travers le globe. Les plantes sèchent, les animaux meurent, les températures augmentent. Il y a des inondations et des tempêtes violentes. Unis pour la vie, l'humanité vous présente ses excuses. En protégeant tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons, en conservant le bon climat et l'air que nous respirons, car on ne peut jouer au football sans respirer. Chérie nature, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Merci, mesdames et messieurs, c'était le Oise, et vous avez pu le constater à travers ces images. En effet, le Gabon est bon pour sa terre, mais également le Gabon est bon pour ses rencontres. Régis. Le Gabon, terre d'opportunités. Gabon, terre d'opportunités. Opportunités de rencontres. Et d'incontres. Ce soir, Daniela, et nous avons une rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle. Exceptionnelle parce que maintenant, je vais inviter Madame le maire de la commune de Libreville, Madame Rose Christiane Ossouka-Matunda, responsable de la cidade de Libreville, a senhora Rose Ossouka. Chef de l'État, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs diplomatiques et des organisations chefs du gouvernement, Señoras, Señores Présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames, Señores et Señoras les membres du gouvernement, Señores et Señores chefs des institutions diplomatiques et organisations internationales, Señor Presidente, la Fédération Gabonaise de Football, caro footballeurs, distingados invitados, senhores, senhores. Senhor Isaia, tu président da Confederação Africana de Futebol, a cidade de Libreville, de France Libre, de Port-Gentil e de Mulher, desejo pela minha voz um bonjour samba para você. Ao presidente da FIFA e na robusta delegacia que se juntam a vocês. Na realidade, além das cidades que vão habitar as manifestações ligadas à organização da Copa da África, as nações sobre o território respectivo, são todas as cidades do Gabon que moram, que lhe desejam a calorosa e a cordial bem-vinda à terra gabonesa, terra de hospitalidade, convivialidade e fraternidade. Em minha qualidade de responsável da cidade de Libreville e da Associação das Mães, das responsáveis da cidade do Gabon, posso afirmar que a cidade do Gabon são honrada e feliz de ter sido escolhida para habitar esse evento esportivo continental. Então,
approuver tant de présentes occasions pour exprimer à Sa Excellence Ali Bongo, président de la République, chef de l'État, ses sincères et profondes gratitudes par tous les efforts et sacrifices consentis par l'attribution de l'organisation de cette importante manifestation sportive dans notre pays. Manifestation où nous avons approuvé la juventude gabonaise par l'expansion de tout esprit dans le programme du président. La cité gabonaise est honorée par recevoir cette compétition sportive à Bédida où, d'une part, le football est un poderoso vetor de caminho, de união e de aproximação dos povos, e de uma outra parte, a organização da Copa da África das Nações, é portadora de vários e diversos pontos positivos para o país organizador, como no plano esportivo, econômico, comercial, turístico e social. E para essa razão, eles reafirmam e desejam um levantamento ferme e resolvido a todo fazer para que essa manifestação seja coroada de um franco sucesso, para permitir outros incentivos para os jovens africanos que se retornam ao Gabon. Continuons dans cette belle rencontre. Et cette fois, c'est une rencontre en deux passions. La passion pour le football et l'amour pour la musique. Cette passion et cet amour incarnés par deux artistes de jeunes japonais qui manient l'art au langage et le jazz. Vous allez avoir la joie de les réveiller et de confirmer le talent de Charlie Chats et Arnaud Massardé. De la musique, mesdames et messieurs, distingués invités, la Coupe d'Afrique des Nations
c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de temps fort. Aujourd'hui, certes, mais depuis sa création aussi. Pour ceux qui en ont vécu, il y a qu'à l'air de certains moments, et pour ceux qui n'en ont pas connu, vous appelez je vous invite à découvrir, à travers ce qui va suivre, les temps forts des groupes d'Afrique, des nations d'hier à l'époque. Thank you.
Merci d'applaudir pour ces grandes figures du football africain. Vous avez dû reconnaître nos grands Rachidi Yekini, le taureau de Kaduna, Jules-François Bertrand Bokandé sur le Sénégal. J'ai dû reconnaître quelque part Osama Sane, grand homme du football africain. Et plein d'autres. D'ailleurs, il y en a d'autres, ici au Gabon. Pierre Aubameyang. Pierre Aubameyang. Et autre Régis Manon. Autre Régis Manon. Ils ont Manon. Aussi. Un clap pour dire quand même par aux Gabonaises, restons dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Excellence, président de la République, distingués convidados, tenez en honneur par chaman de ce podium, un filho que l'Afrique a donné pour la gente. Une Afrique qui s'est sacrifiée pour lui, pour le même continent. Une Afrique qui s'est sacrifiée pour elle, et quand même par l'Afrique. Grâce à lui. J'ai besoin d'une ovation particulière, s'il vous plaît. S'il Quel vous plaît, applaudios par au Seigneur Ayatou. Le Seigneur Issa Ayatou. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République du Gabon, président de la République du Gabon, Sois Excellence Omar Bongo Ondimba, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Gabon, Excellence Signor et Signor, membres du gouvernement de la République du Gabon, du Conseil de la FIFA, Signor et du membre du Conseil de la FIFA et du Commerce, Comité exécutif de la CAF. Excellence, Monsieur le Haut Commissaire du Comité local d'organisation, membres du corps diplomatique assimilado, les représentants des sponsors et partenaires commerciaux de la CAF, signors et signors, chers membres de la commission représentants des sponsors et passeurs commerciaux de la CAF, car membres de la commission d'organisation de la CAF, respectifs, chers amis, convidados, mesdames et messieurs. Caro amigos, après de longs la mois, communication, une phase éliminatoire haletante, Signor, avec son lot de surprises et de rebondissements, de nous nous retrouvons aujourd'hui dans la phase éliminatoire qui nous mène vers le tournoi final de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations totale. Nous sommes ici aujourd'hui, beaucoup de ténors sont au rendez-vous, qui va nous lever, notamment la Côte d'Ivoire. Nous tournons au final de l'édition 31 de la Coupe d'Afrique. Sept fois vainqueur de la compétition. De retour en phase finale, après avoir manqué trois éditions d'affilée. L'Ouganda finaliste en 1978 et qu'on n'avait plus vu en phase finale depuis cette date, fait office de revenance près de 40 ans plus tard. De retour en phase finale, la pause dépose. Il y aura aussi faltado, 13 éditions affiliées, seguidas. À Ouganda, la grande finaliste de 1978 par la Guinée-Bissau. Et que non, je n'ai pas vu mais dans la phase finale de cette date, la qualification dans un groupe de où on retrouvait la Zambie, sacrée ici au Gabon, il y a 4 Comme ans, simple, est une nouvelle temps, illustration simple, de ce nivellement vers le haut. Et de la réduction des écarts entre pays pequena descoberta, et grands. Une grande curiosité représentée dans cette édition 2017 par la Guinée-Bissau, où sera développement la première phase finale. Soit qualification, nous, groupe Président de la République, les invités, mesdames et messieurs, à moins de 2 ans, le Gabon a mobilisé ce qu'il fallait pour accueillir cette canne. Dont l'organisation lui a été confiée seulement en avril 2015, du fait de la situation en Libye, pays initialement retenu pour accueillir la compétition. Dito pequeno, j'ai saisi cette occasion pour réitérer ma gratitude et celle de la grande famille du football africain au chef de l'État du Gabon, son gouvernement et l'ensemble du peuple gabonais pour des sacrifices consentis jusqu'ici. Ceux qui étaient déjà dans ce pays, il y a près de 4 ans, à la faveur de la CAN de 2012,
ont certainement expérimenté cette hospitalité légendaire que savent accorder les populations africaines à leurs hôtes. Dès lors, on peut aisément comprendre l'enthousiasme que beaucoup qui ont connu la ferveur de Libreville et de Franceville manifestent à l'idée de découvrir Organtin, Poème et vivre à nouveau des moments inoubliables. Receber a competição. Aproveito da ocasião para reiterar minha gratidão à grande família de futebol africana, ao chefe do Estado gabonês, ao governo e todo o povo do Gabão para o sacrifício consentido até aqui. Tudo que estava nesse país et que nous revertions à sauvegarder et à perpétuer au niveau de la Confédération africaine de football, ont certainement convaincu total un des leaders dans l'industrie africaine d'adjoindre son nom et son image à nos compétitions pour lesquelles nous inaugurons un nouveau cycle commercial dès 2017. La Confédération africaine de football, nous sommes fiers et honorés de compter parmi nos partenaires une entreprise comme Total à la réputation mondialement établie. Nous n'avons pas de doute quant à ce que d'autres entreprises inspirées par le prestige et la notoriété de Total lui emboîteront le pas. C'est enfin de nous permettre de disposer des ressources que nós queremos sauvegarder e perpetuar no nível da Confederação Africana de Futebol, certamente convencido Total, dos líderes das indústrias petroleiras, para juntar o nome dele na imagem das competições pelas quais nós vamos viver novo ciclo comercial. Merci, Monsieur le Président, mais vous ne partirez pas comme ça. On a besoin de vous encore deux petites minutes, juste deux petites minutes. Vous voulez poser vos papiers? D'accord, on vous laisse poser vos papiers. Le Président, il pose ses papiers, il revient pour répondre à deux petites questions de Daniela Mengue. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder ces quelques minutes. Muito obrigado, Monsieur le Président, pour accorder ces deux minutes supplémentaires. Aproveito dessa situação para deux petits éclairages. Par terre, deux esclarecimentos. Que le docteur Issa Hayatou est tenu par la plus stricte des neutralités. Sabemos que o senhor Issa Hayatou tem que ter neutralidade. Je vais quand même poser la question. 16 équipes qualifiées, en avez-vous? Fazer uma pergunta. J'aimerais bien savoir laquelle. Será que o senhor tem favorito? 16 équipes qualifiées. Tem 16 times qualificados. Será que o docteur Issa Hayatou tem time favorito? Estou muito. Não dá para dizer, porque isso pode levar aos árbitros. Voilà qui est dit, mais je ne pouvais m'empêcher de poser la question, simplement en tant que passionné de football. Alors, Monsieur le Président de la Confédération africaine, le 8 février 2017, soit quelques jours après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Gabon 2017, la CAF célébrera son 60e anniversaire. Le 8 février, la CAF célébrera le parcouru au anniversaire de la CAF. Le football africain au niveau mondial, est-ce qu'elle mérite sa place? Est-ce qu'elle a la place qu'elle devrait avoir? Qualité, le football mondial. Encore une question embarrassante. On peut vous rectifier, c'est vrai, c'est le 7 février, la date de la création vous de la Confédération. À fait, cette année, au anniversaire de la création, au dia 7 février. Au siège de l'Union africaine. Pour célébrer cet événement. Mais ce année, en ce qui concerne vamos célébrer la sede de l'Union africaine à Addis Abeba. À ce jour, 60 ans plus tard. Je crois que votre collègue a dit que le football africain a connu de bons. Nous sommes fiers. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du rouleau. Nous travaillons pour que nous soyons parmi les meilleurs. L'évolution de l'Afrique est tellement honte. On ne peut pas parler du football mondial sans parler de la Confédération africaine. L'évolution du football africain. Les progrès ont été réalisés grâce à tout le monde. Grâce à l'ensemble de nos gouvernements, grâce à tous nos gouvernements, grâce à l'ensemble des fédérations africaines, nous sommes en train de faire des pas de géant.
Je vous remercie. Donc, le football africain a bel et bien sa place au niveau mondial. Merci, monsieur le président Régis, merci. Monsieur le président, dans un instant. Je ne vous les donne pas, je les garde pour moi. Je n'ai jamais été aussi près de vous. J'en profite un maximum. Avec la bénédiction justement de notre prochain invité qui viendra à vos côtés. Mesdames, messieurs, je vous invite à accueillir monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise, monsieur Emmanuel Essose Ngondé. Vamos lá, vamos ouvir o primeiro ministro, chefe do governo da República Gabonesa, né? Senhor Emmanuel Issoze Gondé. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Boa tarde, voilà, senhor primeiro ministro. Nous avons décidément plusieurs choses à faire ce soir. Temos muitas coisas para fazer hoje. É uma coisa très symbolique. É uma coisa muito simbólica. Un trophée, pour être plus précis. Convoité par toutes les équipes nationales qualifiées. À la phase finale de desejado para todos os países. Mesdames, messieurs, voici vamos dar todo o respeito d'Afrique des Nations Total essa, Gabon 2017. Senhor, senhor, aqui está a Copa 2017. Voilà, et ce trophée sera remis symboliquement au Premier ministre. On applaudit très fort. Non, on peut 30 petites secondes encore, excuse-moi, hein, pour une petite photo. Je veux la meilleure photo qui soit. Voilà. Et on applaudit très fort pour cette photo, mesdames, messieurs. Voilà. Une hôtesse va prendre le trophée et le déposer sur la stèle. Et puis, remercier bien évidemment monsieur le président de la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, monsieur Issa Hayatou. Nous t'en prie, madame, monsieur Issa Hayatou. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président, on va vous raccompagner. Ah non, monsieur le Premier ministre, vous ne partez pas parce que là, Daniel Amengue a deux questions. Et je reviens encore avec des questions. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. J'ai un micro pour vous. Vous pouvez le tenir aussi. Alors. Le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique 2017. Nombreux enjeux, de nombreux effets de développement. Première question, que représente cette Coupe pour le nouveau gouvernement? Question importante qui appelle une réponse claire. Pergunta importante qui precisa de uma resposta clara. Quero dizer que a CAN 2017 é um projeto multidimensional, cujas implicações vão certamente jogar no desenvolvimento de vários setores do Gabon. Para começar, é uma oferta esportiva, é uma competição de futebol, é o quarto evento mundial depois da Copa do Mundo. Et d'abord, Jeux Olympiques, un événement sportif, Jeux d'Europe, une compétition de football. Et les Gabonais sont fiers d'accueillir cette compétition qui Gabonais est offerte aux jeunes, particulièrement aux sportifs, aux amoureux du football, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À la juventude gabonaise, par le président du gouvernement, au nom du peuple gabonais. Ali Bongo Ondimba. Je disais que c'était un projet multidimensionnel parce qu'au-delà de cet aspect sportif, il ne faut pas oublier que c'est une opportunité qui est offerte au pays pour développer des infrastructures multiformes. Opportunidade para desenvolver as infraestruturas esportivas, rodoviárias, médicas. Outro aspecto, a CAN vai oferecer as oportunidades de développement du secteur touristique. Madame va offrir também opportunité de développement du secteur du tourisme, un plan du tourisme gabonais dans les villes qui vont abriter l'événement. Un plan de développement, une opportunité pour développer les tourisme. Il y aura plusieurs personnalités, plusieurs africains, étrangers qui vont venir séjourner au Gabon pendant cette période et l'activité commerciale. Qui vont assister à la COP. La CAN est aussi un moment de communion, un moment de ferveur. Une expansion du commerce durant ce moment.
servira também um momento de encontro em extase com o povo estrangeiro. Alors, vous avez répondu finalement à toutes les questions que j'avais à vous poser, notamment sur les efforts consentis. Merci, monsieur le Premier ministre, nous avons anticipé. Voilà, mais j'en ai d'autres. Il est vrai, il y a tous ces efforts qui ont été consentis, les infrastructures, les effets de développement sont visibles, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la cérémonie de tirage au sort, qui pour beaucoup, et d'ailleurs pour nous tous, sonne comme une garantie que la CAN va bel et bien se tenir au mois de janvier au Gabon. Monsieur le Premier ministre, d'aucuns en doutent encore. Il y a quelques heures, on écoutait encore certains médias, on lisait certains. Até hoje, muitas se perguntavam se ia até a Copa no Gabon. Agora, CAN Total 2017 au Gabon. O que o senhor responde? Essa pergunta foi feita quando eu estava em Lomé. Alguns jornalistas, hoje vou dar a mesma resposta. O Gabon será pronto. Ele vai ter a festa no Gabon. Somos acostumados a fazer milagres. E o milagre é gabonês. E o milagre vai ser também na Copa. Au moment où vous le dites, que souhaitez-vous alors pour finir, monsieur le Premier ministre, à tous les visiteurs que vous allez accueillir dans quelques semaines? Le Gabon est un pays d'hospitalité légendaire. Le Gabon est un pays d'hospitalité légendaire. Je voudrais, au nom du gouvernement, et désirer, au nom du gouvernement, du président, de la population gabonaise, pour tous ceux qui veulent assister. Na Copa, para conhecer no Gabon durante essa período, que o Gabon fará tudo para apresentar evento especial e excepcional. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci pour tous ces éclairages. Nous vous raccompagnons sous les applaudissements des invités. Muito obrigado, senhor Premier Ministro. Bom, agora não tem mais dúvida, vai ter a Copa da África das Nações total. Tudo foi confirmado pelo Premier Ministro. Ele falou, é uma terra de hospitalidade do Rabel. De développement davantage, je vous propose de les suivre à travers ces images. Merci.
Dernière opportunité ce soir, mesdames, messieurs, l'opportunité de fraternité. Fraternité entre deux générations de la culture gabonaise. Pour être plus précis, parlons de musique. Entre deux anciennes générations incarnées par Lauriane Kondo et la nouvelle par Chanel. Cette interpénétration générationnelle nous apporte une explosion particulière que je vous demande de vivre dès à présent avec cette diva de la chanson gabonaise, Lauriane Chanel. Ici, Kutuha du Gabon, la province de Haut-Ogoué. Champion, vite on l'a, n'abandonne pas, et on ne ralentit.
aime les braves, les forts, la clé du succès. Attrapez un vent, attrapez un vent. Je suis fâché, fâché. Je suis fâché, oh, attrapé, oh, Mali, je suis fâché, oh. Merci. Nous remercions Lauriane Ekondo et Chanel. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la CAF, nous allons maintenant passer au vif du sujet. Et nous allons inviter sur ce podium Monsieur le secrétaire général de la CAF, Natirage, Signor Secretario El Amrani. La CAF, Signor Isha El Amrani. Bonsoir, Régis. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne tarde, Signor. Quel énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour le tirage au sort de la phase finale. Un grand plaisir pour moi d'être ici pour le tirage total Gabon 2017. De sa Copa. Avant de 2017. Antes de falar de football, quero cumprimentar a presença do presidente da República do Gabon, senhor Ali Bongo Ondimba. Também a presença do primeiro-ministro do Gabon, senhor Issoze Ngondé. Também a presença do senhor Issayatou. Estamos convencidos que essa competição que vai começar o 14 de janeiro aqui no Gabon vai ser muito excepcional. Excepcional na organização. Grâce à l'hospitalité légendaire exceptionnelle que mentionné précédemment par la hospitalité du gabonaise du gouvernement, mais également comme mentionné par tout le monde, exceptionnel également le spectacle du football qui va être offert. Nous avons pu nous en rendre compte durant les éliminatoires organisés par la Fédération durant les éliminatoires de 2015 à septembre 2016 que le niveau du football organisé par la CAN par le niveau était accrescent. Durant ces éliminatoires, 50 groupes et pour la première fois de notre histoire, nous avons également réparti le Gabon pays hôte en tant que participant parmi ces éliminatoires. Au Gabon, au total, nous avons eu 140 matchs joués, 144 jogos de plus de 2,5 buts. La meilleure attaque de l'Algérie, pourcentage de 2,50 dont le meilleur buteur à l'Arabie Soudanie avec 7 buts, tandis que les meilleures défenses sont égyptiennes et marocaines avec un seul but encaissé. Au final, 6 équipes au final, ont pris part à la présidente en 2015 ne seront pas présentes ici même au Gabon l'année prochaine, mais par contre, au final, nous avons, comme a mentionné le cinq teams qui estavam na última Copa não vão estar aqui. Nós temos uma novidade. A Guiné-Bissau, o Chimiso, a Algéria, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gabon, Ghana, Guiné-Bissau, Mali, Marrocos, Uganda, República Democrática do Congo, Senegal, Togo, Tunísia, Zimbabwe. Zimbabwe. Messieurs, avant de procéder aux explications des procédures du tirage au sort, antes de explicar como que vai ser a tirage des 16 équipes qualifiées. Tô chamando vocês a ver as imagens dos 16 times. Avec 25 buts marqués, l'Algérie a terminé meilleure attaque de compétition. Et derrière le fenêtre, remporté par le souvenir de 1990, l'année de l'équipe à domicile. Et le Maroc, l'Islam, c'est le meilleur sur l'Algérie, sera la méthode. À chaque fois, le titre a fait son histoire l'année dernière, 10 fois
territoriale, la Côte d'Ivoire vient au Gabon pour défendre sa couronne. Pour leur 22e participation, les éléphants arrivent confiants et leur sélectionneur Michel Dussoyer pourra s'appuyer sur un groupe talentueux avec notamment ses attaquants stars Gervinho et Wilfried Bonny. Dans le premier chapeau également, le Gabon, pays hôte, rêve d'un exploit sur ses terres. Emmené par leur attaquant star, Pierre-Emerick Aubameyang, 21 buts en 50 sélections. Les Panthères sont en quête du premier titre de leur histoire. Voilà 35 ans que le Ghana court après un cinquième sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'aventure au Gabon, Avram Grant, le sélectionneur israélien, s'appuiera sur un groupe d'expérience, emmené notamment par les frères Ayou. Pour les 5 dernières éditions, les Black Stars n'ont jamais échoué au-delà de la 4e place. Dans le deuxième chapeau, on retrouve le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et la Tunisie. Un final de folie lors des qualifications et un style offensif ont porté le Burkina Faso à la première place de son groupe. Les étalons comptent 9 participations à la CAN, avec notamment une finale perdue contre le Nigeria en 2013. Et si c'était l'heure de gloire du Mali, s'ils n'ont jamais gagné la CAN, les Aigles sont une des équipes les plus régulières en Afrique ces dernières années. Après 40 ans loin du podium, le Mali s'est offert la 3e place en 2012 et 2013. Comme en 2012, elle est emmenée par Alain Giresse et son attaquant Cheikh Diabaté, qui avait terminé comme meilleur buteur du tournoi. Après son sacre lors du championnat d'Afrique des Nations, le deuxième de son histoire, la République démocratique du Congo se présente en pleine confiance. À sa tête, toujours le même homme, Florent Ibengué, qui pourra de nouveau compter sur le talent de son élu Béchak Elia. Les Léopards ont remporté la CAN à 2 reprises en 1968 et 1974. C'est un souvenir qui remonte à 2004, l'unique sacre de la Tunisie sur ses terres. Les Aigles de Carthage abordent leur 17e Coupe d'Afrique des Nations, la première sous les ordres du colonel Henri Casperzak. Parmi ses atouts, un gardien d'expérience, Emile Marlotti, et les attaquants ont réussite, 17 buts lors des qualifications. Dans le troisième chapeau, on retrouve côte à côte le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Avec 4 titres à égalité avec le Ghana, le Cameroun est la 3e nation la plus titrée sur le continent africain. 15 ans après leur dernier succès, l'entraîneur belge Hugo Brousse espère redonner leur lettre de noblesse aux lions indomptables. Avec 7 titres, l'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, mais les pharaons étaient absents lors de la dernière édition. L'Espagnol Hector Cupar a repris les rênes de la sélection en mars et a réussi à redonner confiance à son groupe. Et Sam El Abiri, son gardien aux 147 sélections, devrait être de l'aventure au Gabon. Avec 5 victoires et un match nul, le Maroc a été l'une des premières équipes qualifiées. Les Lions de l'Atlas n'ont plus remporté la CAN depuis 1976, le seul sacre de leur histoire. Vainqueur l'année dernière avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard tentera de remporter une 3e CAN avec une 3e nation. À 13 participations, mais toujours aucun titre. Dans son histoire, le Sénégal a échoué 3 fois au pied du podium et perdu une finale en 2002. Avec 13 buts marqués en qualification, les Lions de la Teranga ont terminé premier de leur groupe. Dans sa quête d'un premier sacre, Aliou Cissé, le sélectionneur, pourra compter sur son attaquant Sadio Mané. Enfin, le dernier chapeau où se retrouvent la Guinée-Bissau, l'Ouganda, le Togo et le Zimbabwe. C'est l'inoubliable success story des qualifications. Premier du groupe E, devant le Congo et la Zambie, la Guinée-Bissau s'est qualifiée pour la CAN pour la première fois de son histoire. La Guinée-Bissau découvre un territoire inconnu avec l'espoir de créer la surprise. A qualifié comme l'un des 2 meilleurs deuxièmes, l'Ouganda retrouve la CAN après 39 ans d'une longue absence. Lors de leur dernière participation en 1978, ils avaient échoué en finale. Pour leur 6e participation, le sélectionneur serbe Milutin Sredojevic espère à nouveau porter son équipe vers la finale de la CAN. Le Togo a participé 7 fois à la CAN lors de son dernier tournoi en 2013. Les éperviers s'étaient hissés jusqu'en quart de finale. 3 ans plus tard, c'est avec Claude Leroy à sa tête que le Togo se présente au Gabon. Titré en 1988 avec le Cameroun, le Français pourra compter sur Floyd Ayité dans sa quête d'un 2e sacre en tant qu'entraîneur. Le Zimbabwe a obtenu son billet pour la CAN en terminant premier de son groupe. Les Warriors vont célébrer leur 3e participation après 2 éliminations en phase de groupe en 2004 et 2006. Entraîneur d'expérience, Calisto Pazoua compte sur la présence de son jeune prodige Franck Mia pour briller lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Mesdames, Messieurs, les 16 équipes seront donc réparties en 4 groupes de 4 équipes. Ces chimies vont se répartir
le groupe B groupe à Franceville, et Libreville, groupe B, Franceville, groupe C, OIM, groupe D, Port-Gentil. D'abord, le Gabon, en tant que pays hôte, sera automatiquement versé au groupe A, position au Gabon, A1. Comme au pays qui espère, sa septième apparition lors des phases finales, c'est un groupe A. Des quarts de finale, respectivement, en 1996 et 2012. Tandis que la Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, champion, une titre, sert le groupe C. Les éléphants de Côte d'Ivoire en seront à leur 22e apparition avec deux titres, dont le dernier en 2015. Les 14 équipes restantes sont présentes. Les autres teams vont se diviser en 4 des équipes nationales de la CAF. Le pot 1, couleur verte à ma gauche, le premier au groupe, l'Algérie, va être Algérie, Ghana. Le pot 2, couleur rouge à ma droite, second groupe, Burkina Faso, Mali, République démocratique du Congo, Tunisie. Le pot 3, de couleur jaune, comprend le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Enfin, Cameroun, Égypte, Maroc, Sénégal, Uganda et Zimbabwe. Togo, les procédures consisteront donc Zimbabwe, Guinée-Bissau. Une première boule du pot 1, c'est l'équipe qui rejoindra le groupe B en position bon. B1. Vamos commencer comme attirage du groupe 1. Par la suite, la deuxième étape consistera à tirer au sort les boules du pot 4. La première équipe qui sortira de ce pot 4 ira au groupe A en position A4. La deuxième, B4, troisième, C4, et enfin, D4. Nous répéterons la même procédure pour les équipes du pot 3 et finalement pour les équipes du pot 2. Ainsi, mesdames, messieurs, pour procéder au tirage au sort, par commissaire, tirage du pot 4, vous un magicien du ballon rond, recevez agora champion de Belgique en 1998 avec le Nassir de Dakar, vainqueur de la Coupe de France. Avec Auxerre en 2003, il a également porté les couleurs de l'Inter Milan, ainsi que de Bolton, Derby County, de la Gantoise en Belgique. Mais surtout, avec les Lions de la Teranga du Sénégal, il joua de 2000 à 2008 et fut finaliste de la CAN en 2002 et quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002. Mesdames, messieurs, Kalilou Fadiga. Agora vamos receber o senhor Kalilou Fadiga. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga, de nous rejoindre. Muito obrigado pela sua chegada hoje à tarde. J'aimerais tout d'abord profiter de votre présence. Quero aproveitar sua presença e da sua grande experiência pour vous poser une question. À votre para avis, fazer uma pergunta. Quels sont les ingrédients quais sont qui permettent le succès d'une équipe dans des compétitions de cette envergure comme os ingredientes que permitem para para ganhar uma Copa. Quero agradecer, para começar, agradecer ao presidente do Gabon, o presidente Isaiasto e todos que estão aqui presentes. Para responder, eu penso que esse tipo de competição se prepara desde o nascimento da pessoa. Eu penso que tudo está na cabeça. Uma vez que temos a camisa do país, temos que honrar essa camisa. Eu penso que todos os times que estão presentes terão a vontade de levar o país ao mais alto que possível. Avoir aussi un petit brin de chance. Bon, c'est vrai que pour être faire un peu de chance. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga, pour votre réponse. Muito obrigado, Senhor Fadiga. Nous débutons le tirage au sort. Bon, je vamos começar. Vouloir tourner les deux boules vertes en face pour tirer l'équipe qui ira au groupe B, position B1. Et ça sera l'Algérie, mesdames, messieurs, les Algérie. Qui en seront à leur 17e participation, vainqueur de la compétition en 1990. Ils ont terminé les éliminatoires avec 16 points, battant notamment le Lesotho, Seychelles et l'Éthiopie durant les éliminatoires. Je vous remercie.
On va ensuite prendre l'équipe restante. Vamos para outro time. Celle... A bola que ficou. Du po 1 qui rejoint le groupe D. Qui va ser no grupo D. Et c'est bien, mesdames, messieurs, les Black Stars du Ghana, quatre fois vainqueurs de la compétition. Le time du Ghana. Ce sera leur 21e participation avec 3 participations également à la Coupe du Monde. Avec les frères comme 13 participations à la Coupe du Monde. Monsieur Vadiga. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à la prochaine étape, celle qui consiste à tirer les équipes du pot 4. Pour votre information, la prochaine équipe qui sortira de ce pot sera en position A4. Cela veut dire, mesdames, messieurs, que ça sera l'équipe qu'affrontera le Gabon, le pays hôte, lors de l'ouverture de la compétition le 14 janvier. O próximo time que vai ser tirado vai ser no grupo do Gabon. Exceptionnellement et avoir l'honneur de demander au Premier ministre du gouvernement du Gabon de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour procéder. Desejo que ce seja o primeiro ministro do Gabon para tirar essa bola. Merci beaucoup, Excellence. Muito obrigado, Excellence. De nous faire l'honneur de nous rejoindre. Je vous demanderai donc de bien vouloir faire tourner les boules bleues et en choisir. Eu quero que o Senhor mexa as bolas e escolher uma. En position A4. Que va se juntar no grupo A e na posição A4. Et il s'agit de la Guinée-Bissau, mesdames, messieurs. Bon, Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, première apparition. Guinée-Bissau, première vez en jouant la Coupe du Monde. Le Kenya. Qui gagnait la Kenya, le Congo et la Zambie. Excellence, je vous remercie énormément pour votre participation. Muito obrigado, je vous invite senhor, à regagner votre siège. Premier ministre. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur Vadiga, nous procédons à la prochaine équipe du pot 4, s'il vous plaît. Cette équipe rejoindra le groupe B en position B4. Agora vamos tirar para quem vai jogar no grupo B na posição B4. Et il s'agit du Zimbabwe, mesdames, messieurs, les guerriers du Zimbabwe. Os guerreiros da Zimbabwe. Ils ont terminé les éliminatoires avec 11 points, notamment en battant Guinée, Malawi, gagnant de Guinée, Malawi, Swaziland. Nous procédons à la prochaine équipe. Próximo time les champions en titre, la Côte d'Ivoire. C'est un groupe, le champion actuel, à Costa do Marfim. Et il s'agit des éperviers du Togo, mesdames, messieurs. Du Togo. Une participation à la Coupe du Monde, uma participação na Copa do Mundo, sete participações na Copa Africana. Deuxième derrière la Tunisie avec 11 points durant ces éliminatoires. Je vous remercie monsieur Vadiga et enfin la dernière boule du pot 4, celle qui rejoint le groupe D de Port-Gentil en position D4. Et il s'agit bien de l'Ouganda. C'est toi, le crâne de l'Ouganda, mesdames, messieurs, finaliste en 78, dont ça sera leur sixième apparition. Monsieur Fadiga, je vous remercie énormément muito pour votre obrigado, participation. Fadiga, et vous pour participation. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Enfin, nous procédons à la prochaine étape, le tirage au sort des équipes du pot 3. Pour cela, j'aimerais accueillir sur scène un enfant du pays qui a fait carrière au Gabon et notamment vamos receber aqui un filho do país qui jogou todo o tempo do Gabon. Il fut également demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1986. Admiré pour sa combativité extraordinaire et sa classe, il joua également pour les Panthères du Gabon de 84 à 2000, totalisant 135 sélections, un record. Qui était un joueur qui était 135 sélections. François Amégas. Agora vamos receber o senhor François Acoli Amégas. Bonsoir.
Bonsoir, M. Amegas, je vous en prie. Bonsoir, du Seigneur Amegas, pour favor. Alors, M. Amegas, je vais vous demander de vous installer juste devant les équipes du pot 3. Avant de débuter le tirage, j'aimerais également pouvoir vous poser une question. Le Gabon abrite pour la deuxième fois... Le Gabon va abriter pour la seconde phase à Copa d'Afrique. Et avec des joueurs de la trempe de Kerimrik Aubameyang, comme jogador au calibre de Pierre-Emerick, a toutes les armes pour aller pense que le time de Gabon tem armas para chegar até o final e ser campeão da África. Boa tarde. Quero essa tarde agradecer a todas as personalidades aqui presentes e particularmente o senhor au président de la République du Gabon, Sua Excellence Ali Bongo Ondimba. También au président de la CAF, Issa Hayatou. Et pour répondre à votre question. Et par rapport à votre question. Cette compétition a la possibilité de. Que répondre que le Gabon a la possibilité de faire le meilleur possible en comparaison avec toutes les autres participations dans la Copa. Que. Eu penso que o time é muito criticado, mas tem um potencial, uma potencialidade, potência. Em valor, nós seremos em mesura de ir em final de esta competição. Que tem merci beaucoup, monsieur Amegas. Possibilidade de ir no final dessa Copa. À la première équipe du pot 3, celle qui rejoindra bon, vamos começar com o primeiro time que vai se juntar ao grupo A. Et il s'agit des lions indomptables, mesdames, messieurs. C'est le Cameroun, quatre fois vainqueur Camarons. De la compétition. Le Cameroun en sera à sa 18e participation. À 18e participation par le Cameroun. En tirant le Cameroun, nous avons tous également une pensée spéciale. Et nous allons avoir un pensement spécial pour le Seigneur Rigobertson qui est malade. Par un rétablissement. À la prochaine équipe, celle qui rejoint le groupe B. Vamos tirar par le groupe B en position B3. Le Sénégal. Le Sénégal. Les Lions de la Teranga, mesdames, messieurs. Les Lions de la Teranga. 13 participations à la CAN. Ils se sont défaits du groupe 13 participations. Et Niger. En étant la seule équipe durant les éliminatoires, et l'unique team sur 18, 6 victoires qui gagne 18 points en 18 possibles. La prochaine équipe, mesdames, messieurs, à être sortie du pot 3 ira donc au groupe C, position 7. Prochain team va être au groupe C, dans la position C3. Le Maroc. Marocos. Les Lions de l'Atlas. Les Lions d'Atlas. Donc, ça sera la 16e participation et 4 participations à la Coupe du Monde. Ils se sont défaits du Cap-Vert, de Sao Tomé et de la Libye avec 16 points engrangés durant les phases éliminatoires. Je vous remercie. Et enfin, la dernière équipe du pot 3, celle qui rejoindra le groupe D. Et c'est bien l'Égypte. L'Égypte. Le retour de l'Égypte, les pharaons. 23e participation, 7 victoires. L'Égypte n'avait pas participé depuis 2010. Et ils ont pu défaire le Nigeria, la Tanzanie, durant les phases éliminatoires. Monsieur Amegas, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Muito obrigado, Monsieur Amegas. Et enfin, Excellence, Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la dernière étape de ce tirage pour les équipes du pot 2. Pour cela, je vous prie d'accueillir Boy, qui a fait les beaux jours de l'Asante Kotoko, deux fois champion avec le Ghana. Il joua également pour le Cosmos de New York aux côtés de Niskens, Beckenbauer, Carlos Alberto. Il joua également aux Arab Contractors en Égypte, Africa Sport en Côte d'Ivoire. Et il représenta le Ghana à 70 reprises. Joueur de l'année africain en 1978 et vainqueur de la CAN la même année, il devient entraîneur avec autant de succès, champion avec le Bénin et le club du Dragon
Il fut également champion du Mali avec le Stade Malien à 4 reprises et champion du Ghana avec l'Asante Kotoko en 2003. Il fut distingué par la CAF en 2007 parmi les 30 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Mesdames, Messieurs, Monsieur Karim Abdulrazak. Agora vamos receber o senhor Karim Abdulrazak. Thank you very much, sir, for joining us tonight. I'll ask you to be standing just in front, but once again, just like I did with your colleagues previously, Mr. Abdulrazak, having the honor of being with us tonight and with your experience. Temos a honra de estar com vocês aqui hoje. Considering the development of football since then, how would you rate today the evolution of African football? Vendo todas as copas que você participou, como que você está vendo? Senhor presidente, antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer ao senhor Ali Bongo Ondimba. Também agradecer ao presidente da CAF, o senhor o Dr. Aladji Sayatu. Quero também agradecer ao senhor, os membros dos diferentes comitês, os diferentes convidados. Senhoras e senhores, a pergunta que você me fez, o futebol que a gente jogava antes não era profissional, era muito amador. Mas hoje, a maioria dos jogadores africanos jogam na Europa, no mundo inteiro. Muitos sacrifícios foram concedidos no plano constitucional. Jogamos para nossos corações, nossas almas. A gente não jogava para a razão de futebol, porque a gente amava nossos países. Porque a gente gostava das camisas dos países, mas hoje não é mais a mesma coisa. Temos 80% de jogadores que jogam na Europa. Não é mais fácil os times nacionais de disposição. Jogamos com nossos talentos. Mas hoje, o jogo mudou. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abdulrazak, for your answer. And now I'll ask you to steer muito obrigado para o senhor, obrigado pelas respostas. Eu quero agora para tirar, se o senhor puder mexer e tirar time que vai se juntar ao grupo A. Le Burkina Faso, mesdames, messieurs, les étalons. Burkina Faso. En 2013, ils en seront à leur 17e finaliste en 2013. Le Burkina s'est battu avec les Comores, Botswana et Ouganda en terminant premier avec 13 points, marquant 6 buts et en encaissant 2. Je vous remercie. La prochaine équipe est celle qui complétera le groupe B, celui de Franceville, en position B2. O time que vai ser tirado agora vai em Franceville. Vai ser o time de Tunísia. Tunísia. Vencedor em 2004. 4 participações na Copa do Mundo. 17 participações na Copa África. Acabou primeiro do grupo. Muito obrigado. La prochaine équipe est celle qui complète le groupe C. O próximo time que vai se juntar ao grupo C. La République démocratique República Democrática do Congo. Les Léopards vainqueurs en 68-74. Vencedor em 78-74. Madagascar et l'Angola durant les phases éliminatoires avec 15 points au compteur. Thank you very much. Et finalement, mesdames, messieurs, la dernière. Et pour terminer, ultime team, pour compléter le groupe D.
position des deux. La position des et il s'agit bien du Mali. Et au Mali. Finaliste en 72. Finaliste en 72. Ou troisième. Il va y avoir des demi-finalistes. Une phase finale. Thank you very much, sir. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Excellences, mesdames, messieurs, voici qui conclut le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Excellences, signor, signor, c'est ce qui conclut. Permettez-moi de vous faire un bref récapitulatif. On faisait un récapitulatif. Libreville, Gabon. Burkina Faso. Burkina Faso, Camarões, Guinée-Bissau. Groupe B, Franceville, Algérie, Tunisie, Sénégal, Zimbabwe. Groupe C, Costa d'Ivoire, République du Congo, Maroc, Togo. Groupe D, Port-Gentil, Ghana, Mali, Égypte, Ouganda. Ainsi, mesdames, messieurs, on vous donnera rendez-vous le 14 janvier 2017 afin d'assister au match d'ouverture entre le Gabon. Le premier jour va essayer. Je vous remercie pour votre patience et j'ai le plaisir de repasser. Gabon, Guinée-Bissau. Et Daniela. Le jour de l'ouverture. Merci à monsieur le secrétaire général. Muito obrigado pour ce nouveau secrétaire. Secrétaire général de la Confédération africaine. Signor, signor. Au cours de ce tirage au sort, mais les équipes sont bel et bien connues et elles vont compétir. Agora conhecemos le 14 janvier. A colocação de cada time que vai competir a partir de janeiro 2017. Ce soir, qui est tout aussi connu et bien connu d'ailleurs et qui représente tem uma pessoa também aqui muito conhecida que representa a fraternidade, a hospitalidade, la fierté du Gabon, mais la fierté de toute l'Afrique. Et cette personnalité est l'ami des jeunes. J'espère que tous les jeunes Gabonais seront fiers d'avoir comme pour ami tout au long de cette compétition cet ami qui va arriver. Cet ami qui va certainement conquérir les cœurs de tous les enfants africains. Et tous les enfants amigo qui va conquistar todo. Samba. Mesdames, messieurs, voici la mascotte du Gabon. Samba. Thank you.
Que sera la fête au Gabon, cette grande messe du football africain à partir du 14 janvier. Merci Samba. 14 janvier. Muito obrigado, Samba. Muito obrigado para todo mundo. Senhor, senhores, acabou. Pas tout à fait. Mas. Estamos desejando uma boa sorte para todos os times. 14 janvier 2017. Está marcado para o dia 14 de janeiro de 2017. Bem-vindo para todos que vão visitar esse país, que é abençoado por Deus. Um dia. Merci à tous. Eu já falei, é dos últimos paraísos do país. Muito obrigado. 14 de janeiro. Muito obrigado. Por la Coupe d'Afrique des Nations. Está marcado para o dia 14 de janeiro para a Copa. Tchau.
Hola, uno.